take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch sur Dying Light qui va vous permettre de dupliquer donc vos armes de corps à corps. Ça sera pas valable pour les armes de tir, ce sera vraiment valable que pour les armes de corps à corps, c'est-à-dire toutes les armes que vous pouvez jeter vous-même. Et c'est un glitch bien sûr en solo, donc vous pourrez le faire dès le début du jeu, dès que vous récupérez une arme. Et vous n'aurez pas besoin d'un ami qui viendra pour vous aider à dupliquer l'arme. Donc vous allez commencer, pour pouvoir le faire déjà, vous ne pourrez pas le faire vraiment tout de suite en commençant le jeu, car il faudra débloquer une compétence au niveau puissance. Donc c'est cette compétence là, compétence de lancer d'armes, qui vous permettra de lancer une arme. Donc une fois que vous avez débloqué cette compétence, rendez-vous dans votre inventaire. Donc vous allez mettre, moi je vais prendre par exemple le sabre Sifai. Donc je sélectionne mon sabre, je clique sur donc le joystick pour lancer, enfin pour me préparer à lancer mon sabre. Et pile au moment où je le lance, donc dès que j'ai appuyé sur la touche pour le lancer, j'appuie sur ce bac pour aller dans l'inventaire et je lâche mon arme. Donc déjà vous voyez, au moment où je l'ai lancé, déjà elle apparaît toujours dans l'inventaire, et du coup le fait de la lâcher, eh bien vous en lâchez deux au lieu d'une, et vous allez pouvoir répéter donc ce glitch autant de fois que vous le souhaitez. Donc je rejette mon arme, je dépose celle que j'ai actuellement. Et je me retrouve avec, du coup, 3 épées. Et on va le refaire une dernière fois. Et je vais jeter toutes les armes pour que vous voyez qu'il y en a 4 en tout. Hop. Et vous voyez, j'ai bien 4 épées en tout, quoi, alors qu'à la base j'en avais qu'une. Donc vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Bien sûr c'est mieux de le faire avec des armes que vous aurez déjà améliorées. Et puis donc voilà. Donc j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !